Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec Lia. Salut. Et on est avec Sarah. Coucou. Et aujourd'hui Sarah, que vous avez pu le deviner, bah c'est... C'est quoi ce coucou que tu vas lâcher là? Mijirassi, sort de ce corps. Elle était avec nous à Paris et avec Miss. Ah ouais, avec Miss, Miss elle a attrapé ta maladie ma cousine hein. Attends, on recommence, c'est qu'elle est extrêmement bien avec Sarah. Coucou. Bref, aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous donnerai comme d'habitude un maximum de pouces bleus. Sauf attends, pour toi je vais te défoncer la gueule, c'est le nouveau moment. Ça c'est le nouveau moment. Pas, pas, c'est le nouveau moment ça. C'est le nouveau. Il m'a fait peur, c'est ouais, nouveau... C'est le nouveau moment ça. Ça c'est. Non mais c'est une fille surtout. Ça je m'en fous. Égalité des sexes ou pas? Non. Hop là, égalité des. Non, imagine un jour que tu te lâches comme ça. T'inquiète. Et tu pars. T'inquiète pas, il y a la technique. Bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone? Et surtout. Eh oui. Pourquoi t'es gris? Pourquoi ça s'est passé? Explique clair. Vas-y. Je commence pas comme ça déjà, t'es sur internet moi, ma soeur, t'es pas avec tes potes là, avec des abonnés. Non mais je t'explique, mais genre, non mais, c'est, non, hein, oh. Il y a des mecs en face aussi, hein. Vas-y. Du coup en fait j'ai laissé mon téléphone dans la chambre, sur le lit, et j'ai laissé la porte un peu ouverte, genre... Qu'est-ce qu'on t'a dit avec Lia? De pas laisser sur le lit, de fermer la porte. Voilà, de ne rien laisser de déchirable ou cassable sur le lit. Parce que si tu laisses ta veste, Nala peut jouer avec. Si tu laisses bah forcément un objet, une manette, une télécommande, Nala va la grignoter. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai laissé mon téléphone, il était en train de charger, tranquille. Et Nala, en fait, elle est partie, elle a commencé à le mordre. Voilà. Genre comme un jeu. En sachant que j'ai un meuble qui est, lui, en hauteur. Donc, il est à peu près à plus d'un mètre de hauteur. Hein. Le meuble, il est même à plus d'un mètre. Mmh. Le meuble, vous savez, où on pose la télé, que vous connaissez dans la chambre, pour ceux qui ont déjà vu la chambre. Hein. C'est-à-dire que le meuble m'arrive à là. Il est super haut. Nala ne peut du tout, mais pas du tout l'atteindre. Bien sûr, elle a déposé son téléphone. Au lieu de le poser sur le meuble et de le mettre à charger sur le meuble, elle l'a posé sur le lit. Voilà. Et forcément, bah, Nala, disons que... Elle a cru que son téléphone, c'était un nonos, quoi. Allume, on verra mieux. C'est t'allume sur le côté. Mmh. En fait, il n'y a plus d'écran, quoi. Voilà. Voilà, vous voyez son téléphone qui a été grignoté. Voilà, donc vraiment le téléphone grignoté. Regardez, là. En tout cas, il marche encore, hein, donc tu peux le garder. En fait, le tactile, il marche, mais on voit plus rien. En fait, il marche que d'un côté, vous voyez. Regardez. Du coup, en fait, tes messages, je les vois pas. Voilà. Donc, en fait, elle a genre que cette partie de l'écran qui marche. Genre, la meuf, elle a 10% de l'écran qui marche. Et en plus, c'est 10%, elle est pas plus intéressante parce qu'elle est plus intéressante. Elle était gentille, elle a laissé quand même 10% du téléphone, elle aurait pu tout péter. Hein. En plus, ce que tu comprends pas dans le téléphone, c'est qu'elle a mordu en haut, mais ça a lâché tout en bas. Non, je pense qu'elle a posé ses pattes. Elle a fait ça, ouais. Elle a posé ses pattes. Comment ça, elle a posé ses pattes? Bah, elle a dû s'appuyer dessus. Putain, elle a fracturé le téléphone carrément. Elle est rentrée à l'intérieur et tout, ouais. Il y a quand même un truc, quand j'y pense, elle a bien grignoté le truc là. Tout à l'heure, ça a clignoté ici carrément. Ouais. Bref, donc voilà, elle a complètement fracassé l'Asus que j'avais acheté à ma cousine. Moi, ça fait longtemps qu'elle l'avait en plus. Bah, c'est l'Asus que je vais vous offrir. Vous vous rappelez, on avait fait un défi, je me semble. 2017. Voilà, okay. Un défi, on avait fait un défi avec ma cousine et elle en a pris soin. Ça fait plus d'un an qu'elle l'a pris, il n'y avait rien. Pas cassé, pas rayé, pas abîmé. Elle en a vraiment pris soin. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire si pour vous, elle mérite un autre téléphone. Je sais pas, moi, si elle mérite un autre téléphone. Je peux donner mon avis? Oula. Je sais déjà qu'il va être positif, vas-y. Bah ouais, elle mérite un nouveau téléphone. C'est pas de sa faute, elle l'a pas cassé volontairement. Involontairement. Oh, wow. Vas-y toi. Bon bah c'est pas grave, vas-y, tu peux le jeter de toute façon. Ouais, t'as raison. Abdel, il me reste un peu de chance de voir qu'il m'appelle et qu'il me reste. Ça va, regarde, il marche encore. Oh merde, un peu moins. Oh non, ça va, il marche. Oh ça va, il marche encore. Oh non. Regarde ce qu'il a fait. Ouh. Il est devenu petit l'écran. Oui, il rapetissait encore un peu plus sur les côtés. Du coup, il marche un peu moins sur les côtés, du coup. Ah ouais, non, mais je pense qu'elle mérite un téléphone. Elle a pas fait exprès. C'est pas intentionnel. Elle a pas filé son téléphone à Lala pour qu'elle le bouffe. Après, ouais. Ça arrive à tout le monde. Enfin, comme Momo, hein, toujours, il oublie de fermer la porte. Elle oublie toujours de fermer la porte.
Voilà. Mais Nala, son endroit préféré, c'est la chambre des enfants, quand même. Voilà. Elle aime bien grignoter un petit peu tout ce qu'il y a grignoté là-bas. Parce qu'elle sait que c'est là-bas où les proies sont assez bêtes. Ouais, ouais, ouais. Nous, il y a tout qui est en hauteur, hein, même quand on la met dans la chambre. Même dans notre chambre, elle touche rien. On met tout en hauteur. Même dans notre chambre, elle touche rien. Ouais. Le téléphone, elle touche rien. Elle a peur. Non, moi, j'ai laissé plein de fois mon téléphone sur le lit, hein, dans la chambre en bas. Hein. J'étais dans la salle de bain, mon téléphone était sur le lit, elle l'a jamais mangé. Je crois qu'elle a cru que ton téléphone, ton téléphone, il fait tellement pas de téléphone, elle a cru que c'était un onoros. Il sent un truc peut-être. Hein. Peut-être, ouais. Tu l'as foutu dans ta poche avec des sucettes ou quoi, pour c'est bon, pour Nala, ça sent ouais, bon. Ouais, j'ai t'arrêté manger des fraises et... Ouais, c'est sûrement ça. Si ça bref, en tout cas, voilà, ben, je pense que vous avez l'explication. Nala a encore frappé, on peut dire. Nala a encore frappé. Et après là, elle a vraiment bien frappé. Là, ouais, je vais dire un truc. Si je réponds pas sur Instagram, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, c'est Marcel, parce que je lâche des vues. C'est pas moi. Hein. Tu lâches des vues? En ouais, fait, les gens voient qu'elle a vu le message, pas. Mais elle peut pas répondre. Ah, d'accord, je croyais qu'elle voulait dire lâche des vents. Et qu'elle voit pas trop le message non plus. Ouais. D'accord, parce que je croyais qu'elle voulait dire en fait lâche des vents, et elle a dit lâche des vues. D'accord, ok. Bon, ben voilà, en tout cas. J'ai vu par contre que vous avez énormément aimé les vidéos avec Sarah. Faut pas oublier quand même que Sarah a fait partie de la chaîne GameX13 à une certaine époque, où elle a fait vraiment avec moi bah, des vidéos quand même qui ont sacrément buzzé. Celle où elle a pleuré surtout. Ça l'avait bien buzzé à l'époque, la vidéo avait fait 2 134 000 vues, donc je tiens à vous dire que Sarah quand même, elle est pas, c'est pas la personne pas connue sur ma chaîne, hein. Elle est passée sur la chaîne de son cousin quoi, elle est passée. Bien sûr, les gens la connaissent. Hein, après le truc c'est que moi Sarah, j'ai pas trop aimé, malgré qu'elle marchait à une époque, et je vous jure qu'elle aurait pu autant faire mal que Momo et autant cartonner que sur ma chaîne, que Momo, pourquoi elle a... Il a plus cartonné qu'elle. Faut savoir que Sarah, quand elle faisait des apparitions sur ma chaîne, ça mettait vraiment des gros coups de nitro à la chaîne. C'est-à-dire que vraiment, les gens kiffaient de ouf. Et le truc, c'est que Sarah, en fait, j'ai dû l'éloigner, elle et ma petite sœur, parce que, voilà, vous connaissez les gens sur Internet, il y a des gens pas bien. Donc, je dis que si on passe une fille ou une gamine, surtout à l'époque, parce qu'elle était vraiment petite, j'ai commencé à 2 piges. La vidéo, elle date de 2 piges, pratiquement. Donc, voilà, là, elle a grandi, elle va sur ses 15 piges, voilà, c'est une petite femme quand même, tu vois. Mais à l'époque, voilà, j'aimais pas trop, et même là, hein, je vais pas la faire passer sur toutes mes vidéos tous les jours. Voilà, si elle passe de temps en temps, elle aime bien faire des vidéos avec moi et tout, elle a toujours bien aimé, surtout la petite Noraine, elle aime beaucoup faire des vidéos. Ouais. Mais elle, c'est encore moins parce qu'elle est vraiment petite, elle mais de temps en temps, voilà, ça fait plaisir de faire des vidéos avec la Mifa quand même. On change pas, on a jamais changé en quoi en 5 ans YouTube Game, toujours avec la Mifa les vidéos. Que on a jamais changé. Famille, on a jamais changé, et ça c'est voilà, QLF comme l'a dit. QLF. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit, prenez soin de vous. C'était GameX13, Sarah et l'IA qui a servi à rien en fait. Une plante verte, comme on peut le dire dans le jargon comme des d'habitude. Plantes. Allez, prenez soin de vous de la MIF et dites-moi si dans l'espace commentaire elle le mérite son téléphone. Allez, ciao tout le monde. Ciao.